Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul un peu particulier, c'est un haul d'anniversaire et aussi en plus mes craquages du mois. Donc vous avez été nombreuses à voter pour ça, donc c'est vrai que je suis pas forcément friande de montrer ce qu'on m'offre pour mon anniversaire, mais après tout c'est un haul comme un autre, je ferai pas la différence, enfin je vous préciserai pas tout le temps, ça c'est un cadeau, ça c'est pas un cadeau. C'est juste pour vous montrer en fait des petites idées. Par exemple pour offrir à vos copines, à vos petites amies si vous êtes un garçon, et aussi pourquoi pas à vous donner à vous des idées pour votre liste, parce que je sais que moi toute l'année je veux des choses et la veille de mon anniversaire on me demande ce que je veux, je suis incapable de citer des choses. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais tout le monde a vu juste et j'avoue que j'ai été très gâtée. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à mon anniversaire et on commence tout de suite avec les accessoires. Donc tout d'abord, gros coup de cœur pour cette pochette. Donc c'est une pochette très grande, elle n'a pas forcément l'air là à la caméra. C'est une pochette ASOS avec des clous. Et en fait, quand vous vous approchez, c'est comme du piton dessus. Donc elle est en daim et elle est très grande. En fait, vous la portez comme ceci pour sortir. Et c'est vrai qu'elle fait aussi bien soirée, mais elle fait aussi un peu cool. Elle fait pas forcément très très snob, très très habillée. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre toutes vos petites affaires, votre iPhone, vos clés, elle est vraiment grande. Donc voilà, par exemple ma main à côté, voilà, elle fait le double. Elle est vraiment large et moi j'en suis fan, j'adore les petits trucs rock comme ça. Donc celle-là, elle vient de chez ASOS. Ensuite, dans les pochettes, je me suis achetée chez H&M et je vous l'avais montré sur Facebook, cette pochette hyper glitter. Donc j'étais dans ma journée glitter parce que juste après, vous verrez que j'ai acheté un pull similaire. Donc voilà, ça ça coûtait 19,90€ et pareil elle est très très grande. Donc pour vous les montrer, la noire est encore plus grande. Vous pouvez limite mettre un petit ordi à l'intérieur. Donc voilà, elle est comme ça et vous pouvez ranger toutes vos petites affaires. Donc celle-là elle fait déjà un peu plus soirée, c'est un peu difficile de la mettre en journée. Et je vous conseille si vous la mettez de vous habiller tout en noir ou tout en gris, mais de pas en faire trop niveau couleur parce que c'est déjà la touche fun d'un look. Alors ensuite on passe au make-up. Donc j'ai fait deux achats sur eBay US, je me suis lancée et j'ai trouvé un vernis China Glaze complètement dément qui est le Flip Flop. Donc le voici, c'est un truc hyper hyper fluo, donc je sais pas si vous voyez vraiment bien à la caméra. Voilà, là vous devez voir un peu. C'est très 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 fluo et j'avais vu sur la chaîne d'Elsa Makeup que c'était juste trop beau. Ça faisait longtemps que je cherchais un néon comme ça. Aiko en fait un, c'est le funk ou le punk funk, un truc comme ça. Et voilà, j'adore ces couleurs. Et quand j'ai vu que Elsa Makeup a dit qu'il y en avait aussi chez China Glaze, bah j'ai foncé sur eBay US. Donc en faisant la petite modification qu'elle explique, en changeant la langue, vous pouvez acheter dessus. Donc voilà, moi je l'ai eu pour 9$, un truc comme ça. Donc j'en suis dingue et bronzée, ça va être génial. Ensuite sur eBay US, bien sûr, j'ai acheté un autre petit truc, tant qu'à faire. Et c'est un Revlon Lip Butter, les fameux. Donc ils sont pas encore sortis en France ou ils vont sortir. Ou ils viennent juste de sortir, je ne sais pas. En tout cas, ils coûtent très cher en France, je trouve, dans les 14-15€. Et je l'ai eu pour, pareil, 9 ou 10$. Donc il était neuf et moi j'ai le Berry Smoothie. Donc c'est une couleur très sympathique que je porte, qui est en fait un framboise très léger. Et donc vous connaissez les propriétés, c'est aussi hydratant qu'un lip balm, qu'un baume à lèvres. Et c'est pigmenté quand même, pas du tout desséchant, hyper agréable à porter, pas collant. Voilà, ça a les avantages du rouge à lèvres, pardon. Je suis une make-up addict. Et je vais en recommander d'autres, mais pas en France, parce que pour moi, 14-15€ pour un baume à lèvres, quand même, c'est pas aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres MAC, et ça coûte presque aussi cher. Donc, faut pas être dingue non plus, mais c'est très cool. Donc, on en a fini avec eBay US. Maintenant, je vais vous parler d'une encre à lèvres, qui est la Super Stay Deezer de chez Maybelline. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Alors moi c'est la Forever Coral. Il y en a plein d'autres, des plus rouges, des plus framboises, plus pop. Donc celle-là, elle est déjà très très pop. C'est un corail très 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 intense qui tient très longtemps. Alors 10 heures, on va dire bof,
Par contre, ça tient bien une voire deux heures, donc pour moi je trouve que c'est assez miraculeux quand même, parce que quand on parle, qu'on mange, qu'on boit, c'est l'idéal quand même d'avoir ça. Moi pour mon anniversaire j'avais ça pour le restaurant et c'était parfait, j'en avais tout le temps. Donc ça coûte, je sais pas parce que ça c'est un cadeau, mais je crois que ça coûte dans les 12 euros, je suis pas sûre. Petite dédicace à ma soeur qui m'a acheté ça avec une poudre MAC que je voulais depuis super longtemps. Donc c'est une poudre Medium Plus fond de teint Mineralize Foundation. Donc c'est un nouveau fond de teint poudre, minéral et tout. Moi chez MAC, les fonds de teint me donnent des boutons. Donc c'est vrai que là, vu que j'ai vu que c'était un truc minéral, j'ai foncé parce que c'est des bons produits en général. Et donc moi j'ai pris la Medium Plus qui est un poil trop foncée, donc je vais la prendre pour cet été. Ça va être parfait. Et là en ce moment je l'utilise par-dessus mon fond de teint un tout petit peu pour réchauffer les pommettes. En tout cas elle est top, elle est couvrante, matifiante. Pas pour les grandes imperfections parce qu'elle n'est pas très très couvrante, on va dire moyennement couvrante. Et il y a une énorme contenance. Je suis vraiment très très contente de ce produit, c'est une amie qui l'a depuis longtemps et qui m'avait dit vraiment fonce, je l'avais essayé chez elle. Et je vous conseille vraiment si vous avez tendance à briller ou pas forcément, parce que mon amie n'a pas forcément des gros problèmes de brillance. Voilà, donc elle est très très cool, essayez si vous avez envie de produits qui ne soient pas, qui ne favorisent pas les boutons et tout, celle-là elle est très très bien. Pour revenir deux secondes sur le Super Stay, je voulais vous dire que Yves Saint Laurent, on en fait tout un foin avec les vernis à lèvres. Je sais qu'il y a plein de blogueuses qui en ont parlé. Et pour moi, c'est le dupe parfait. Il n'y a pas besoin de mettre 30 euros dans une encre à lèvres. C'est un peu énorme. Ça tient très bien et je trouve que ça suffit amplement. Alors, ensuite, j'ai eu le droit à une illusion d'ombre de Chanel parce que c'est un peu le truc que je voulais mais que je n'osais pas acheter parce que pour moi c'était un petit caprice un peu cher. Donc là c'est la illusoire dont je rêvais, mais alors rêvais. Elle est magnifique, il y a plein de reflets, elle est marron, en même temps elle est violette, rose, elle est grise, enfin elle est démente. C'est vendu avec un petit pinceau Chanel dont je me sers, je suis très étonnée parce qu'en général les petits gadgets comme ça bof, et je m'en sers pour faire de cette illusion d'ombre un petit eyeliner léger parce que le pinceau est biseauté et c'est très très cool. Je vous ferai je pense un tuto avec ça si vous avez envie. Ensuite j'ai eu un super truc, là je suis ravie, c'est un produit MAC de la nouvelle collection Shop Cook, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un eyeliner gel marron et franchement ça change carrément. Il est un peu irisé, là je l'ai bien utilisé déjà pour preuve que je l'aime beaucoup. Donc c'est un eyeliner marron mais pas que en fait. Et c'est un bon substitut à l'eyeliner noir. Là je porte le marron donc il est foncé mais il fait pas aussi dur en fait. Il vous durcit pas autant les traits et le regard que le noir, donc pour la journée je trouve ça génial. Pour les brunes aux yeux marrons je trouve que c'est le must, ça fait ressortir la noisette des yeux, le côté noisette des yeux. Et voilà, il est pas mat, il est un peu irisé, il a des super reflets et juste j'adore. C'est le Hadid Goodness, donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Alors ensuite j'ai eu le droit à agrandir ma petite palette MAC avec un nouveau fard qui est le Sanctus Olive. Donc cette couleur, elle est incroyable, parce qu'en fait, elle est donc olive un peu verte, mais en fait, elle est dans le même concept que le club que j'avais, c'est-à-dire le club qui est ici, avec plein de reflets. En fait, vous pouvez pas vraiment définir cette couleur, donc je la mettrai à côté. C'est un vert rose doré, très doré, donc pour vous faire un swatch... Je sais pas si vous voyez correctement, mais c'est voilà, c'est très doré avec des reflets miroirs. Moi j'adore ce genre de couleur. Donc pareil, le vert pour les yeux marrons, c'est comme ça. Donc je suis ravie. On en a fini pour le make-up. Maintenant on va passer aux bijoux et à un petit accessoire sympathique que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc les bijoux, j'avais flashé sur une bague.
Et je suis hyper contente parce que je l'ai eue. C'est une bague Bird on the Wire avec une toute petite aile. Elle est hyper hyper fine et moi c'est vraiment le genre de bague que j'aime, tout en finesse en fait. Elle me fait penser à la Oui de Dior, je sais pas pourquoi, mais elle me fait vachement penser à ça. Donc voilà la bête. Et elle est super mignonne. Bird on the Wire, ils ont un site, Suicidal Shop, je vous mettrai les références. Et en plus, ils ont pour les Parisiennes un magasin, donc c'est très très cool. Et moi, c'est là où j'achète la plupart de mes bijoux parce que elle est géniale cette boutique. Pas très chère, hyper originale. Si vous cherchez des cadeaux, vraiment, allez-y. Ensuite, j'ai eu un cadeau hyper original. Au début, j'avoue, je me suis demandé ce que c'était. C'était dans une boîte comme ça. Et c'est hyper design. C'est une créatrice qui s'appelle Tata Louise Christ. Voilà. Et c'est un jewelry tree, donc un arbre à bijoux. Alors pour mes sautoirs, ça va être chaud parce qu'il est un peu bas. Mais par contre, pour mettre mes bagues, ça va être génial. Et les colliers courts. Donc voilà, c'est un porte-bijoux. Je vais vous montrer par exemple avec ma nouvelle bague. Hop! Voilà, vous pouvez les empiler. Je suis sûre que mes chats vont adorer ça. Donc voilà, c'est un petit arbre de créateur, Louise Christ. Donc voilà, pour le porte-bijoux, c'est très bien parce que j'en avais pas. J'ai aussi eu ce petit bracelet avec un petit médaillon et une perle rouge que j'aime beaucoup, qui fait un peu ethnique aussi. J'aime bien. Je trouve ça très sympa. En plus, je peux me baigner avec. Donc ça, c'est cool parce que j'aime pas enlever les bijoux à chaque fois. Et on passe maintenant à un dernier accessoire qui est un sac. Et je suis tombée amoureuse de ce sac. Voici la bête. Donc c'est un sac orange saumon. Pour moi, c'est un peu the couleur of the summer, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est un sac mango. Et il coûtait pas cher du tout, il coûtait dans les 40 euros. Donc c'est un grand sac pour pouvoir aller en cours. Et c'est un bon substitut à mon framboise Marc Jacobs que je peux pas mettre avec tout. Donc voilà. Pour celles qui sont sur Facebook, vous l'avez sûrement déjà vu. Donc voilà, chez Mango, ils font des trucs très sympas. Moi j'aime de plus en plus cette marque qui est de plus espagnole. Donc forcément, elle est cool. C'est tout pour les accessoires, on passe aux vêtements. Alors pour ce qui est des vêtements, je vais commencer avec le pull fameux, le fameux H&M glitter que j'ai montré sur Facebook et sur Twitter. Donc faut pas avoir froid aux yeux, vous aviez noir en dessous, voilà, ou avec un jean, voilà. Donc il est très cool, en plus il coûtait pas très cher, dans les 29 euros, ouais, 30 euros. Voilà, il est très très bien. Moi je l'adore. C'est ce que j'ai acheté avec le même jour que ça. Donc vous voyez, j'étais en période disco. Bien sûr, à pas mettre ensemble, je pense que c'est le fashion faux pas à éviter. Donc voilà, vous avez des photos sur Facebook et sur Twitter. Alors ensuite, chez Zara, je me suis acheté une veste. J'ai craqué. Pour moi, c'est la veste parfaite. C'est une veste qui fait très chanelisante, Isabel Marant, enfin. Elle est hyper classe. Et en fait, en bas, vous avez des petites, comme de la soie en fait qui dépasse. C'est hyper sympa. Et je trouve que ça fait aussi bien jour que soir et ça vous donne tout de suite une allure un peu plus chic. Et il y a des petits empiècements ici comme ça sur le devant des coutures et sur les poches et en bas aussi. Donc voilà, moi je la trouve super cool pour le soir ou pour la journée. C'est tout de suite la pièce qui donne un peu d'allure. Cette pièce, elle coûte 100 euros chez Zara. C'est un peu cher, mais je trouve que c'est presque un basique en fait, quand vous savez pas quoi mettre. Entretien d'embauche, soirée, enfin voilà, c'est la veste passe-partout qui s'accorde avec une robe, avec un short. Aujourd'hui, je l'ai avec un short noir, avec un jean, avec tout. Donc c'est cool. Ensuite, vous avez été nombreuses à craquer sur Facebook quand j'ai montrer cette pièce. Donc c'est un perfecto hein, comme vous voyez, bleu roi, bleu même voire électrique, que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez vraiment la couleur, il est beaucoup plus pétant en vrai et il est façon daim je pense parce qu'il coûte que 50 euros. Il est tout mou et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai acheté chez Liberty.
Il y a des photos sur Facebook aussi. Donc on continue avec les vêtements et avec une marque qui s'appelle Eleven Paris, je sais pas si vous connaissez. En tout cas c'est un truc un peu hype avec un concept hyper cool. Et ils font des t-shirts qui se vendent vachement bien avec des moustaches sur des célébrités. Donc le truc tout simple et avec la mention en dessous Life is a joke. Donc vous avez ça pour Kate Moss, pour Rihanna et j'ai eu le droit à Rihanna. Donc voici la chose. Vous avez Chirac aussi, mon copain a Chirac, c'est très très drôle. Avec le doigt, l'index comme ça, et une moustache, et en dessous, Life is a joke. Donc voilà, ça c'est hyper cool avec un jean et une petite veste en cuir. Et ensuite, j'ai fait des petites folies chez une copine qui m'a gentiment filé des petits trucs qu'elle voulait plus. Donc je vous les montre aussi parce que ça va être dans de futures tenues, c'est très très cool. Donc on commence avec un short hyper paillette. Je vous le dis, en ce moment je suis sequin, j'adore tout ce qui brille. Donc voilà, de la paillette à gogo, du sequin, en veux-tu, en voilà. Donc voilà le short, il est doré, il est très très cool. Et je connais pas cette marque, Warehouse. C'est un truc anglais. Je vous montrerai ça dans une tenue soirée et tout. En tout cas, moi, je suis carrément fan. Toujours avec un perfecto et un débardeur un peu loose rentré à l'intérieur, en fait. Bah, avec le débardeur que j'ai aujourd'hui. Voilà. Et vous le faites sortir un peu. Vous le mettez un peu taille haute, votre truc. Et ça peut être très très sympa avec un petit headband doré aussi. Voilà. Alors... ensuite, elle m'a filé un truc de chez ASOS qui est top. C'est un corset qui est comme ceci. Et ensuite, il est tout volant en bas. Donc ça, j'aimerais bien le porter avec un legging en cuir. Je trouve que ça ferait très cool. Donc il vient de chez ASOS, il est comme ça, touc touc touc. Et donc sans bretelles. Un petit corset. Ensuite une robe de plage, dit-elle. Alors pour moi c'est plus un haut parce que vous allez voir comme c'est court. Donc voilà, c'est un peu court et c'est en crochet, donc carrément dans la tendance machin en ce moment, hyper hyper à la mode en crochet, n'est-ce pas? Donc voilà, ça peut faire un bustier comme une petite robe de plage. Et enfin, je me suis acheté un haut chez Zara. Ça fait déjà un petit moment, mais je ne vous l'avais pas montré. C'est un haut hyper compliqué à mettre, mais c'est toujours quand c'est un peu compliqué que c'est original. Donc en fait, il est en 12 parties, hein, à peu près. C'est-à-dire qu'en dessous, vous avez une sorte de débardeur. Et puis après, c'est ouvert sur le côté, avec des sortes de volants comme ça. Et devant, vous avez encore un pan comme ça en coton ou viscose. Et voilà, donc il est ouvert sur les côtés et il vous cache juste là comme ça la moitié. Il est assez long, très volant et hyper fluide. Moi j'aime beaucoup, encore une fois, soit avec des motardes, soit pour un look de soirée. C'est tout pour ce haul, ce big haul, je pense que c'était déjà pas mal. Si vous avez craqué sur quelque chose, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, il y aura sûrement votre bonheur. Je vais mettre les boutiques quand je les connais, les prix quand je les connais, et je vais essayer de détailler tous les produits. Voilà voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, je vous fais plein de bisous.